Salut tout le monde, c'est Shiva et on se retrouve pour un nouvel épisode de Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance. La dernière fois, nous étions en train d'infiltrer le vaisseau des pirates de l'espace. Passage bien galère s'il en est. Avec des méchants partout. Oh, comment je fais le pro là. Ça, c'est un wall jump bien maîtrisé. Bon, ça allait jusqu'à... Oh, barre-toi, foireux. Putain, ils sont en train de me prendre en sandwich, là. Aïe, aïe, aïe. Putain, je vais encore crever. Fais chier. Ça va, alors, les flèches. La peur me donne des ailes. Non ! Voilà. Nice, il y avait de quoi se cacher ici, ça tombe plutôt bien. Allez, barre-toi. Phew. Oh, le bâtard. Lui, on peut dire qu'il m'attendait. Oh là là, mais ils sont combien? Ils sont partout, là. Vous êtes trop nombreux, mes petits messieurs. La 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 la. Où est-ce que ça m'emmène tout ça? Leave me alone. Voilà. Où est-ce qu'on est arrivé? Ok. Donc on a quitté le vaisseau des pirates de l'espace. On est arrivé dans une autre zone qui n'est autre que Chozodia. Enfin, j'en ai bien l'impression, hein, on voit des hiéroglyphes un peu partout, des écritures ancestrales du peuple oiseau. Et ouais, bah de toute façon c'est marqué sur la carte, hein. Chozodia. Ok. Et apparemment, ça les a pas empêchés de mettre leur petit système de surveillance à la morboile-neuve avec les bulles jaunes. Un peu chiant, ces trucs-là. Voilà, barre-toi. Je tente quelque chose. Parce que je suis un ouf, n'est-ce pas? On admirait que c'était... admettez que c'était quand même... ceux là-dessus s'admiraient. C'était quand même pas trop mal. Je suis content de maîtriser le wall jump un peu mieux dans ce jeu-là. Même s'il n'y a pas franchement de mérite. C'est toujours plaisant de voir qu'on a un minimum hop là, de skill. Ouais, en fait, je me dis... Ouh là là. Il y a des moments où j'ai du mal à cerner l'intérêt de ce qu'on veut me faire faire. En fait, ça c'est un chemin pour les noobs ou... Ouais, d'accord. C'est cela. Barre-toi. Et lui, il sert à rien, il est juste planqué dans son alcôve. Mais alors, ça servait à quoi de venir ici? C'est vraiment nous faire tourner dans le labyrinthe pour le plaisir. Ce bloc n'a pas la même tête que les autres blocs. Est-ce qu'il faut lui tirer dessus? Parce que là, ils reprennent des mécaniques de fusion, je crois. Non, c'est pas ça. En fait, maintenant, en plus des portes avec idems spéciaux, je crois qu'il y a des niveaux de sécurité par endroit. Hop là. Jusqu'ici tout va bien.
Ok, ça on peut tomber, mais on peut pas monter a priori. Oh le con! Ah, le tocard! Putain! Ne me vois pas, ne me vois pas, ne me vois pas! Il m'a vu! Oh non, mais... Eh bah c'est reparti pour une poursuite à la con. Ok, maintenant je vais en avoir deux sur les talons, super. Ah, il vaudrait peut-être mieux que je meure là en fait, tout bêtement. En fait, je cherche un endroit où je pourrais me cacher. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça va que je me fous bien de la gueule du méchant. Je dirais, lui aussi, il se fout bien de ma gueule, il me fait bien mal. Oh là là, c'est quoi ce comité d'accueil de ouf ? Vous avez vu un petit peu ce jeu de psychopathe. Ouais, ça sert plus à rien de courir, je pense, là. Allez, voilà, ça c'est fait. Dès lors qu'on s'est fait choper, faut le vouloir pour réussir à se planquer. Hein. Donc on reprend. Ok, ici. C'est jouable. Je vais pas faire mon kéké, je vais passer par le vrai chemin. Je suis assez assez satisfait de ma performance de tout à l'heure, mais par contre, on va peut-être arrêter les conneries 5 minutes. C'est déjà assez difficile sans que je complique moi-même la difficulté du bordel. Hein. Alors, non. Je déteste ces blocs qui s'effondrent. Vous servez vraiment à rien, vous, hein. Doucement, mais... Ah, il y a tout qui s'effondre, en fait, leur vaisseau, c'est de la camelote, hein, il est pas solide. Ouh là là. What the fuck? Ah oui, je me souviens de cette zone. Le principe est simple, faut se planquer sans se faire toucher par ça. Hop là. Si je m'étais accroché à l'autre, j'aurais pu monter un peu plus vite. Hein? Je me suis fait choper? D'où? Par quoi? J'étais bien caché? Oh là 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 là. C'est relou là. C'est relou, bon. Eh ben on run, hein, on s'en fout. J'étais pourtant bien caché. Je comprends pas. Allez, faut pas qu'il puisse me suivre là. Yeah. Oh le fils de... Voilà. Normalement là je suis... Caché, mes fils de... Hein ? Il arrive par là, mais... Mais fuck, quoi.
sont un peu ouf quand même les méchants là. Allez, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Et il revient. Je ne suis pas là, monsieur. C'est bon. Putain, mais non! Mais c'est quoi ce gros pet burne là? Désolé pour cette panique totale, mais vous me comprenez, je pense. Voilà, t'as peut-être me foutre la paix là, j'existe plus, c'est bon. Pour une fois que ces blocs à la con me sauvent la mise. On ne va pas. Quoi? Eh, il y avait une bombe de puissance ici tout à l'heure. Foutage de gueule. Mais vous avez vu comme ce jeu est tordu? Unité de sauvegarde cachée? Bah ouais, bien sûr. Allez, on a de la chance, hein. On fait une petite save, on récupère tout ce qu'on a perdu, notamment l'énergie, parce que des missiles et compagnie, ça, on n'en a plus. Ça va être difficile de perdre ce qu'on a déjà perdu. Toi, je t'ai vu, fils de... Et il a déjà mis les voiles, quoi. Il est rapide, le petit enfoiros. Allez, le nonoï, là, barre-toi. Merci. Bon, dans ce sens-là, au moins, je me fais pas capter, ça c'est bien. What? Il descend jusqu'où, lui? Ok. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Non, pas ici. Oulala. Ah putain, j'ai un peu de mal à jouer par moment. Voilà, reste à baisser, sois gentil. Et là, on file. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller leur tirer dessus à ces mecs-là? Ça va, ils sont tellement cons qu'ils s'entretuent. Spécialité des pirates de l'espace, ça, de s'entretuer. Oh là là, mais... Trololol. Trololol. J'en sors comment de cette histoire? Oh là là, oh là là. Ça aurait pu... Hop, oh là là, génial. Magnifique. Ils se sont tous entretués. Tu restes en haut, toi, t'es gentil? Cool. Eh ben, dites donc, c'est assez... intense dans cet épisode. Hein. L'infiltration, oulala. D'accord, bon, ça se fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? Arrêtez, vous me faites mal. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. En retard. Bon, on va essayer. Non, mais... Comment je suis supposé passer cette salle? C'est une bonne question. Bon, l'enfoiros qui m'a piqué ma bombe, tant pis, hein, je vais... Je sais pas s'il faut que je tente de le poursuivre ou pas. Voilà, il sort du scrolling et il est parti. Hein. Je peux toujours canarder. Cet enfoiré de pirate ne s'attarde pas. Allez, descends-toi. Un peu relou ces machins-là. Franchement, à part moi, qui va venir squatter votre putain de vaisseau là? Pourquoi tous ces systèmes de sécurité?
Personne n'est assez fou dans la galaxie pour s'inviter chez vous, hein. À part Semus, mais... C'est différent. C'est une femme. Wow! Skill de ouf. Oui? Ouh là 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 là, ok. Ça c'est... Enfoiré! Je préférais quand vous vous tiriez dessus et que vous vous faisiez tous péter, les amis. Hop là. Est-ce que je suis caché là? A priori, ouais. Oh, il est revenu. Cool. Je sais pas où je suis arrivé, j'y suis pas arrivé par un chemin très catholique. Et il m'a pas vu. Bon, j'ai de la chance d'être tombé sur un pirate particulièrement... stupide. Sauf que s'il passe sa vie à monter et à descendre, moi je peux pas monter. Hein. Je dis ça comme ça. Ok, là, je n'arrive pas. Voilà. Jusque là, tout va bien. Je suis un peu stressé. Est-ce que ça vaut le coup de retourner au-dessus où il y a les crêtes, hein? Je suis pas sûr, hein. Non, on va monter par là tranquillement. Zen, sans se faire poursuivre. Putain, je t'ai pas vu toi jusqu'à la dernière minute. Non mais essayez de vous tirer dessus. Voilà, comme ça. Merde, il en reste un. Il y en a un qui m'a calculé. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Non! Petite mère, fais pas la folle! Oh là 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 là! Ah, il est chaud ce passage, hein. Il est très très difficile. Pour moi, en tout cas. Tiens. On peut descendre par là. D'accord. Ça me tente pas plus que ça, j'ai eu suffisamment de mal à monter comme ça. Et toi, sale Piarchoso, rends-nous la bombe de puissance! Non, mais c'est pas vrai, quoi. Ça leur suffit pas de faire des expériences cheloues avec les aliens les plus dangereux de l'univers après eux, non? Faut en plus que. Ils commencent à faire les pilleurs de tombes. C'est mon héritage. Pas le malin, toi, l'œil, parce que je te tire une décharge, tu fais plus le kéké. Hein. Allez, redescends, redescends. Parfait. Oh, ils m'ont vu. Ils sont chiants. Ok, en bas il faut la screw attack, ça maintenant je le sais. Ah là, faut vraiment que je prie pour qu'ils se défoncent entre eux parce que sinon. On va avoir quelques problèmes.
sais pas combien ils sont à mes trousses. Ah tiens, c'était... Il y avait pas ça tout à l'heure. Ah, comment je les ai niqués. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils m'oublient un petit peu. Bingo. Oh, c'était génial. Comment ça se fait que c'était cassé à chaque fois ça tout à l'heure et que là c'était pas cassé, qu'il y avait une plateforme? C'est sans doute ma faute, hein, c'était peut-être moi. Mais en tout cas ça fait drôlement plaisir, hein, c'est pas pour dire mais... Je m'y attendais pas trop. Par contre ouais, quand j'ai vu que je pouvais casser cette plateforme, ni une ni deux... Ah c'était bien grisant de faire tomber tous les poursuivants d'un coup comme ça. De la flotte. Ouais, mais je sais pas nager, moi, monsieur. Oh, des peintures Chozo. Regardez donc l'armure que porte cette espèce de Chozo. Et là, regardez le dessin de Samus Enfant. C'est le même que dans le manga que je vous ai montré à la fin de l'épisode de Ridley. Et ouais, là. Gros souvenir, grosse nostalgie. Par contre, ce boss, je me souviens plus trop comment il fonctionne. Ça ? Non, faut pas que je tire sur Samus. Aïe ! Mais non, si je tire sur Samus, je me fais mal. Ah, faut que je tire sur l'espèce de machin quand ils se mettent en mode foudre, je crois. Comme ça. Donc C'est une sorte d'épreuve que m'infligent les Chozo. Maintenant que je suis assez grande et mature pour justement accepter leur héritage, j'imagine. Allez, je crois qu'il reste qu'un seul coup. C'est pas la mer à boire quoi. Faut juste pas que je me tire dessus moi-même. Je prends déjà assez cher avec les foudres. Ah putain. Ce boss n'est pas évident. C'est fini ? Yeah! C'était pas difficile non plus. Et là, attention, reflet. Magnifique. Regardez bien, plasma. Ce rayon puissant peut traverser plusieurs ennemis. Gravité diminue les dégâts infligés par l'ennemi. Permet d'aller dans l'eau et la lave. Saut spatial. Effectue des saltos en continu. Utilise A en l'air pour continuer à sauter. Et là, les enfants, ça va chier! Oh bordel, ce que je kiffe ce passage! Et ouais, vous ne rêvez pas, on a bien tout le stuff de ouf de Metroid. Notre stuff habituel, en mieux. On a le stuff comme à la fin de Super Metroid, en quelque sorte. On peut défoncer les pirates, plus besoin de se cacher, on n'a pas peur. On est chez nous, on va tous les anéantir. Et c'est extrêmement grisant. D'ailleurs, pour fêter ça, vous noterez l'apparition du thème de Brinstar. Et je crois même qu'il est encore plus speed que... Non, on va pas sauvegarder ici, on s'en fout. Quoique, attendez, par où est-ce que je reparle? Parce que par contre, ils m'ont pas donné la bombe de puissance, hein. Et quand il y a une alarme, les portes métalliques se verrouillent jusqu'à ce que j'ai dessoudé tout le monde. C'est bon à savoir. Ça, fallait peut-être que j'attende que ça se casse, je suis descendu trop vite. Je sais pas. Il se passait quelque chose, j'ai vu, mais...
Non, bah pas dans ce sens-là. Bon, les enfants, faut bien que je parte là, alors. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je suis quand même pas bloqué ici. Bah ouais, mais ça casse un petit peu tout si je suis bloqué. Hein? Je fais comment moi après pour repartir? Avec des missiles? Non. Que nenni Jar Jar. Non, et puis j'ai pas encore chopé la bombe de puissance, hein, c'est pas pour dire. Ah d'accord, des missiles ici, fallait le dire. En même temps, c'est logique, on vient d'acquérir le costume de gravité. Hop là, et nous baladons dans l'eau comme chez nous. On peut même shine sparker si on veut. On va pas le faire parce que ça sert à rien, mais. Non, c'était juste un hiéroglyphe, le Chiozo dans la flotte. Oula. Ok, pratique. Ça servait à quoi ça? C'est pour faire genre le vaisseau des pirates est vraiment pourri donc. Même plus besoin de wall jumper réellement, en fait, vous voyez là, je spamme le bouton comme un fou et ça marche très bien. Non, ça par contre, c'était pas intelligent du tout. On refait le tour. Ah, les dernières minutes de jeu vont être un peu misérables. Allez, les gars, un peu de courage, on y est presque. Attaque en vrille! Non, bon, fallait le dire. Voilà. On a vraiment tous les items pour se tailler un chemin. Effectivement, c'est encore plus facile qu'en wall jump là comme ça. Ça va falloir la bombe de puissance, j'imagine, ouais. On peut pas encore l'ouvrir. Et donc si on avait pu désactiver le rayon de glace comme je voulais vous le montrer précédemment dans le let's play, j'aurais pu vous montrer le rayon plasma à l'état pur, si vous voyez ce que je veux dire, sans l'altération de glace, et vous auriez vu que ce rayon il est super puissant. Bon, on va pas se plaindre puisque dans les faits, ça considère un peu que qu'on l'a quoi, y a pas de souci là-dessus. Ah oui, ça faut le péter qu'une bombe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne glace même plus les ennemis là. C'est que de la lave, c'est pas de l'acide. Donc, comme dans l'eau et comme dans l'air, on fait ce qu'on veut. Ouais, par contre, on ne se met plus automatiquement accroupi. Hop là, super missile, merci. Et donc je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que le thème de Brinstar est beaucoup plus rapide. Plus nerveux quoi, c'est vraiment... Haha, je savais bien que je finirais par les péter ses yeux. Encore? Non, il est parti. Alors ça, c'est dommage que ça soit pas cassé définitivement, ça me ferait bien plaisir. Clairement. Voilà, j'ai tué tout le monde, vous m'ouvrez? Je vérifie que j'ai bien tout exploré aussi en chemin, ce serait bête de devoir faire des allers-retours. Et donc j'ai oublié une salle là-haut. On est déjà à 30 secondes, je vais éviter de faire trop de rabots aujourd'hui. Bon, de toute façon, je peux pas y aller en fait, il faut la bombe de puissance, donc c'est très bien. Comme ça, il n'y a plus de questions. Bon, leurs lasers me font toujours mal, hein, même avec tous ces power-up. C'est pas des rigolos, ces pirates de l'espace. Ça reste les ennemis ultimes, entre guillemets. Tiens, toi, tu vas voir si tu vas me faire chier comme avant. Et donc, il y a un objet planqué quelque part, ici.
Ah, tiens. Bingo. Tant qu'à faire. Je sais pas pourquoi ils planquent des réserves dans leur conduit de ventilation. Bon, les pirates sont des abrutis, hein, il y a quelque temps qu'on a compris. J'étais pas obligé de passer par là, mais c'est pas grave. Boum. 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 Comment ils font plus les fiers là, comment ils l'ont dans l'os. Allez mec, hein, vous l'avez dans l'os. Hein, ça fait bobo cucu. Ah bah oui. Ah bah oui. Désolé si je frise le ridicule, mais tout cela me rend vraiment très euphorique. Surtout après avoir galéré comme ça. Donc là, hop, vous avez vu, je peux faire ça comme ça, tranquille. Tous les pavés, ouais, c'est la plage. Waouh, ça. Et comme c'est l'heure, eh bien, on va se quitter ici. Et comme c'est bien cheaté, maintenant, toutes les unités de sauvegarde nous redonnent de la vie. Eh ben, ils se font bien plaisir, les pirates, hein. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, en espérant que vous avez apprécié ce petit épisode, que ce jeu vous bluffe et tout ça, tout ça. Bref, portez-vous bien. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye !